Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire faire un tour du nouveau centre d'entraînement Quantum ici à Saint-Jérôme. Donc ici on a les bureaux de nos coachs, en haut on a d'autres bureaux, mon bureau est en haut. Et je vais vous montrer le gym et je vais vous expliquer aussi dans le fond le choix des machines, pourquoi tout a été choisi de cette façon-là. Fait que ça, on va commencer avec les machines Prime. Donc ici on a le Seated Row Prime, puis ce qui est intéressant avec cette machine-là, si tu viens au côté, c'est que on a trois endroits pour mettre les poids. Donc ce que ça fait, c'est qu'on peut changer le profil de résistance de la machine. Donc, ce qui arrive avec les machines, les seated row puis tous les trucs de dos habituellement, c'est que plus tu tires, plus c'est dur. Et en fait, le profil de force du grand dorsal, c'est que plus tu tires, plus il est faible. Donc c'est pas nécessairement ce qui est optimal. C'est pour ça qu'on va avoir cette machine-là et c'est pour ça que je tenais vraiment à avoir le seated row plus que n'importe quelle autre machine pour pouvoir faire ça. Fait qu'on peut surcharger plus le début du mouvement, le milieu, puis la fin. Après ça, au niveau du prime, on a aussi le leg extension puis le leg curl. C'est exactement le même concept. On peut mettre trois places différentes. Encore là, les machines, si tu prends des marques plus connues, il y a un profil de résistance qui est toujours le même en fait, dépendant, des fois c'est plus au top, des fois c'est plus en bas. Fait qu'avec le leg extension et le leg curl, bien on a les deux. Donc on peut vraiment ajuster selon la personne, selon la planification d'entraînement. Si on fait un entraînement plus métabolique, on va mettre le poids à un endroit différent que si on veut quelque chose avec plus de dommages musculaires ou un entraînement plus mécanique. Donc ça c'est pour les primes, on a ces trois-là. Après ça, le hack squat. C'est le hack squat de Elite FTS qui s'appelle le Monster Hack Squat. Dans le fond, c'est un hack squat qui est très solide. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était l'ajustement de la plaque. C'est entre autres pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il y a un bon ajustement de la plaque. Aussi, on a des pegs ici pour mettre les bandes renversées. On a les pegs en bas pour mettre des bandes normales. Et en plus, ils nous ont fait un beau logo. Ça, c'était une surprise. Je savais pas qu'il allait faire ça. Mais c'est ça. Donc, vraiment solide. Puis on peut mettre des bandes élastiques. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Si on continue. Ensuite de ça, Elite FTS aussi, on a le back extension à 45 degrés. Fait que pourquoi j'ai choisi lui? Il y a des pegs, on s'en sert pas trop souvent, mais il y en a. C'est surtout le pad, OK? Le pad, il est long, donc on peut avoir, on peut mettre de la pression au niveau des genoux pour activer plus les ischio-jambiers. Donc c'est vraiment pour ça, parce que le pad, il est très long. On peut avoir un bon support, puis il est super confortable, puis j'aime le look aussi, mais principalement pour la fonction. Et il y a un trou aussi entre les pads. Ça, c'est super intéressant pour messieurs. Ensuite de ça, back extension horizontal. Donc la différence, pourquoi qu'on a les deux, c'est que back extension à 45 degrés surcharge plus le milieu et la fin du profil de résistance. Donc c'est plus milieu-fin, tandis que lui, c'est vraiment plus la fin. Quand on le fait en extension de la hanche, et on peut intégrer le glute ham raise qui va faire flexion du genou en même temps. Donc pourquoi qu'on a choisi l'Atlantis? Il y a un petit pad ici. Pour faire des glute ham raise, c'est vraiment plus facile et on a plus de support. Il y a un ajustement qui se fait de cette haute... Oups! Il y a un ajustement au niveau de la hauteur. Il y a un ajustement aussi au niveau de la distance de cette façon-là. Donc, on peut vraiment faire de l'ajustement dépendant de la personne qu'on a. Aussi, le pad, il est quand même assez mou. Donc, c'est beaucoup plus confortable au niveau des cuisses. Et il y a un trou entre les deux ici. Pour messieurs, encore là, c'est beaucoup mieux. Ça, on va regarder la trap bar. Donc, c'est une barre que j'ai faite faire par Gorilla. Ils ont fait custom. En fait, il y a ce modèle-là, mais ce qu'on a fait custom, c'est deux hauteurs de prise. Donc, si tu t'approches, une hauteur de prise plus haute, une plus basse. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu veux faire un avec une amplitude de mouvement plus grande, tu vas prendre celle du bas et tu vas le tourner de l'autre bord, et sinon, comme ça. Ce qui est intéressant avec cette sorte-là aussi, c'est que quand je mets ça comme ça, je mets mes plates, puis après ça, je le recouche. Donc, ça l'évite d'être obligé de tout comme lever, puis ça va vraiment bien de cette façon-là. Après ça, les racks, on a les Gorilla, qui est une marque québécoise. Donc, je trouvais ça cool aussi d'encourager du monde du Québec. Fait que le rack est super solide. On a des places pour mettre des pegs. Ici, dans le fond, qu'on peut mettre des reverse bands. On peut les mettre en haut puis en bas. On a des places pour les mettre. On a aussi un ajustement qui est au... si on voit un peu plus ici, là, qui est vraiment proche. Donc, la hauteur peut être ajustée selon la personne, vraiment plus proche que... Ici, on va plus haut. On a les hauteurs qui sont plus à comme 2 pouces de distance, tandis que là, on a comme un demi. Et dans le fond, on a fait faire les mixed grip comme ça. Fait qu'on peut avoir une prise médium, une prise supination, puis une pronation à des grandeurs, des largeurs différentes. Ensuite de ça, au niveau des barres,
Dans le fond, on a deux types de barres. On a la barre Rogue, la Ohio Power Bar, c'est une barre de powerlifting. Il y a un gros knuckle dessus, il est quand même assez, assez solide la barre. Il n'y a pas de whip dedans qu'on appelle, il n'y a pas de... Elle va pas plier un petit peu comme la barre ici de Gorilla qu'on a, qui est une barre plus CrossFit haltérophilie, qui a un whip dedans qui bouge un petit peu plus. Donc, pour faire du deadlift, c'est un peu mieux une barre qui a une petite wave dedans. C'est léger, c'est pas une barre de deadlift non plus. Et eux sont vraiment plus solides pour le bench, le squat. Après ça, ici, on a la Kabuki Transformer Bar. Donc, c'est un safety bar avec 40 possibilités au niveau de la positionnement. On peut le mettre plus bas, plus haut, puis ça, ça tourne. Je l'ai déjà expliqué sur une vidéo Facebook et Instagram. Donc, on a plusieurs façons de positionner ça. Tu peux avoir l'effet d'un front squat, d'un back squat, d'un cambered bar, d'un kettlebell squat avec le kettlebell très loin. Donc, on a plusieurs affaires qu'on peut faire avec ça. Donc, la Kabuki Transformer Bar. Ici, on a les wedges de Gorilla. Donc, on a les 10 degrés wedge. Pour faciliter au niveau de la mobilité de la cheville, on a un 30 degrés et en dessous de ça, on a un 45 degrés. Donc, on a vraiment des wedges différents selon la mobilité de la cheville de la personne. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure flexion du genou dépendant des personnes, puisqu'on a des hauteurs différentes. Ensuite de ça, ici, on a les Pro Lock. Ça, en fait, on met ça après nos barres pour faire un cambered bar. Donc, avec la charge un petit peu plus bas, un petit peu plus d'instabilité. Donc, ça, on fait juste ajuster ça après les barres et ça crée un recrutement différent au niveau des squats. Après ça, station lat pull down, seated row, classique, le Atlantis. Pas grand chose de spécial avec l'Atlantis. C'est une bonne compagnie du Québec. C'est super haute qualité. Donc, on a décidé d'y aller avec ça. Pas trop compliqué. Au niveau des prises, par contre, on a quelques prises spéciales. On a la Prime N1, qui est une prise dans le fond qu'on peut aller en pronation. C'est une prise qu'on peut aller en prise neutre, on peut aller en prise supination, on peut aller en prise semi-pronation puis pronation. Donc c'est vraiment une prise qu'on peut ajuster selon ce qu'on a besoin. Et c'est ça, c'est super versatile, la largeur est idéale pour le recrutement des lattes, le recrutement du haut du dos. Au niveau des bancs, on a du Atlantis standard. Donc eux, ils n'ont pas grand chose de particulier à part être haut de gamme, puis d'être nos couleurs custom, comme vous avez vu. Celui-là est un petit peu plus spécial, c'est le Prime. Donc le Prime, il y a de l'ajustement comme le Atlantis à 5 degrés. Donc on a 45, 40, 35, 30, 20, tout ça. Mais ce qui est intéressant qu'on a de rajouter, c'est les pads comme ça. Donc ça se met ici. Puis dans le fond, on peut avoir des différentes façons de travailler les biceps. Donc par exemple, ici, on peut avoir un curl, qu'on va avoir un meilleur support comme ça, que ça va changer le recrutement musculaire, ça va changer les profils. Donc on peut s'amuser avec ça, on peut faire du floor press aussi, que tu vas faire ton bench press, ton dumbbell press, tu vas accoter les coudes dessus. Donc on a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Ensuite de ça, le multistation, on a pris un qui est un petit peu plus rapproché. Un pour l'espace, mais deuxièmement parce qu'il est beaucoup plus versatile que le grand. Donc tout ce qui est push down en X, des curls aussi, et les épaules, beaucoup plus versatiles de cette façon-là. On a beaucoup de mobilité qu'on peut aller chercher avec cette machine-là. Le câble aussi, il passe souvent dans la machine. Ce que ça fait, c'est que ça fait plus de friction et il y a moins de momentum qui peut être généré avec les poulies. Donc quand tu as une poulie, tu veux avoir un petit peu plus de... qu'elle passe plus souvent dans les cams, OK? Une poulie qui est directe, le poids, oui, est direct, mais le poids est plus sujet à l'inertie et au momentum sur une autre capsule qu'on fera, mais c'est mieux d'avoir une multistation ou quelque chose qui passe plus souvent dans les cams. Aussi, au niveau des attachements, on a une long row comme ça. Ça, je suggère à tout le monde de s'acheter ça. Pour faire des press down, des rows, c'est vraiment plus versatile du deltoïde postérieur. Aussi, on a les Cas Handle. Dans le fond, c'est un fat grip avec une prise en compte, donc dans le fond, ça va faire plus la mécanique de la main que quand tu fermes ta main, ça fait un genre de compte, donc avoir un plus grand recrutement d'unité motrice, meilleure mécanique de la main, c'est intéressant. Donc ça, Prime Fitness. Après ça, nos dumbbells, c'est du Atlantis, rack Atlantis. Rien de spécial avec les dumbbells, j'aimais la grip, j'aimais le look aussi, bonne qualité, rien de spécial. Et finalement, pour les machines, on a le Scott Curl. J'ai pris l'Atlantis, on peut faire le Spider Curl un peu plus ce bord-là, le Scott. Puis dans le fond, il y a des pads des deux côtés. J'aime bien celui-là. Les petites bébelles qu'on a, on a ici les levers Polyquin de Watson qui permettent un recrutement différent puis qui permettent un ajustement différent aussi. Ce qui arrive, c'est que le poids, il est là. Donc,
par rapport au coude, le poids il est très loin, fait qu'on a un recrutement différent. Dans le fond, c'est que dans le bas, il n'y a pas grand-chose. Après ça, quand on monte, le poids il est réparti plus là, mais aussitôt que ça la côte, le poids il est transféré ici. Donc là, on a beaucoup plus de tension en haut du mouvement, mais je peux l'ajuster ici pour le descendre ou le monter et s'amuser avec ça, travailler de différentes façons. Et au niveau des barres aussi, on a un semi-supination mag, Easy Bar, la Quantum Bar que vous avez peut-être déjà vu, avec des trous à des endroits différents. On a ici les Rogue, une livre pour faire des micro-progressions, super intéressant. Donc c'est pas mal ça au niveau de toutes les bébelles qu'on a. Donc si ça vous tente de venir essayer ça, c'est un gym 100% privé, il faut que vous soyez avec un de nos entraîneurs. Si ça vous intéresse de venir essayer une séance d'entraînement privé avec nous, écrivez-nous et on se book ça.